Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je fais une review spéciale puisque j'ai reçu la tête de ma Dolphy Dream. Donc c'est une tête avec des yeux et un make-up déjà fait, voilà. Donc ça vient de Hong Kong. Voilà. J'ai retiré mon adresse bien sûr, pour pas que vous voyez. Voilà. Alors, je suis super content parce qu'en fait, bah, je débute ma Dolphy Dream. Donc c'est un custom que je fais. Donc j'ai commencé par choisir son visage, c'est le plus important. Donc elle a des yeux verts. Voilà, et elle est super mignonne. Donc j'ai un super coup de cœur. Donc voilà, je l'ai acheté. Et là, j'ai commandé son corps. Donc il faut savoir que bah, son visage, c'est en peau normale. On a aussi normalement du white, du blanc. Mais je préfère la peau normale. Donc le vendeur est super sérieux. Il a envoyé ça il y a à peine une semaine et j'ai déjà reçu. Donc c'est super rapide. Donc c'est super bien emballé parce que c'est hyper fragile. Comme c'est vraiment de collection. Donc il faut que je fasse attention. Mais je pense que c'est bien protégé à l'intérieur. Donc là je peux voir la boîte Dolphy Dream. Donc il peint lui-même. Donc, voilà la boîte. Donc c'est une Dolphy Dream, donc DDH de type 04. C'est sympa ça. Donc elle est super bien protégée, comme vous pouvez le voir, plein de papier bulle. Voilà. Donc j'ai bien lavé mes mains pour pas la salir parce que ça peut. Les mains grasses peuvent salir la matière. Donc là, c'est une boîte Dolphy Dream. Et à l'intérieur, on a un petit sachet. Je pense que c'était les yeux. Donc, des yeux animétiques. Donc là, on peut la voir. Je vais faire tout doucement pour pas l'abîmer. Ça fait super bizarre parce que je commence ma Dolphy Dream. J'ai toujours voulu en avoir une, mais j'ai mis beaucoup de temps à me décider à commencer parce que ça coûte une fortune. Mais bon. Waouh! Oh, c'est vraiment impressionnant. Elle est superbe, vraiment belle. Donc j'ai choisi ce modèle, il y avait d'autres modèles, mais j'ai choisi celle-ci. Le make-up me plaît, j'aime beaucoup ses yeux verts, comme c'est ma couleur préférée, j'ai choisi aux yeux verts. Oula, faut pas que... Donc super bien emballé, c'est cool. Elle a pas souffert pendant le voyage. Donc je vais commander aussi des vêtements que je devrais bientôt recevoir. Et il y a aussi sa perruque. Il manquera donc les chaussures. Voilà. C'est vraiment magnifique. Alors là. Le crâne est souple, ce qui permet de retirer les yeux. Donc il faut un peu appuyer comme cela. J'ose pas trop appuyer fort, mais il faut appuyer. Voilà. Alors, il a fixé les yeux avec, je crois que c'est une sorte de pâte à fixe, il me semble.
Donc ça se retire facilement en fait et on peut changer les yeux comme on veut. Mais ces yeux-là, je les adore. Donc je vais les garder pour l'instant. Donc voilà, c'est simple parce que c'est souple. Les anciennes, elles n'étaient pas souples, donc beaucoup plus dures à enlever. J'ai choisi exprès ce modèle pour remettre. Très simple. J'espère que j'ai mis un endroit. Donc voilà pour son visage. Donc je vais la customiser. Je vais dire, je vais chercher son, lui commander un corps, une perruque et vous faire une review. Donc j'ai déjà choisi son prénom. Voilà, je le communiquerai un peu plus tard. Comme elle n'est pas finie, j'ai pas envie de la nommer maintenant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des conseils à me donner pour ma Dolphy Dream, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc voilà. Et je vous ferai la review bientôt, de son corps, de ses vêtements et toute faite en fait. Voilà. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Salut!